Alors, le mot yoga signifie dung un. Aller ensemble. Samyutta en sanskrit. Samyutta. Et dans Yogacara Bhumi Shastra, il y a beaucoup de Bhumi, beaucoup d'étapes, et nous sommes à la 11e. L'intérieur et l'extérieur sont tous deux complètement vides. Et la personne qui contemple cette vacuité n'a pas non plus de soi, n'a pas non plus un soi séparé. L'intérieur et l'extérieur sont tous deux complètement vides. La personne qui contemple cette vacuité est également vide. Ce mot vide, shunyata en sanskrit, vide signifie que ça n'a pas de noyau, comme un bananier ou un oignon. On enlève une couche. On a l'impression qu'il y a un noyau à l'intérieur, mais quand on enlève une deuxième couche, on ne voit pas de noyau. On enlève une troisième couche, on continue, et à l'intérieur, il n'y a pas de noyau. Il n'y a pas de soi séparé. Notre personne est comme un oignon. Il y a 5 couches. Le corps, sensation, perception, formation mentale et conscience, il y a 5 éléments. Et nous croyons qu'à l'intérieur, il y a un sujet, un propriétaire. Mais à part de ces 5 couches, il n'y a rien d'autre. C'est vide. Mais c'est vide. Ça ne signifie pas que ça n'existe pas. Si l'oignon existe, il y a les couches. Oui, ça existe, mais il n'y a pas de noyau. Il n'y a pas de propriétaire. Il n'y a pas de patron. Il n'y a pas de soi. Alors, essayons de regarder un ordinateur. L'ordinateur est excellent. Il conserve beaucoup d'informations, on lui demande et il nous répond. Et parfois, il nous parle. Il nous rappelle ce qui nous manque et ce qu'il faut faire. Il est excellent. Mais dans l'ordinateur, il n'y a pas de chef. Il y a tous les éléments, tous les outils. Il y a le software, il y a le disque dur. Mais ce qui manque, c'est un soi séparé. Et nous sommes pareils. Nous avons le corps, les sensations, les perceptions, les formations mentales, la conscience. Nous avons tout. Nous avons des pensées. Nous pouvons discerner. Nous pouvons imaginer. Nous sommes tristes. Nous avons la tristesse, la colère, les soucis, la joie, la souffrance. Tout, sauf le chef. Sauf le propriétaire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien.
Parce que dans notre exercice, le Bouddha est la respiration. Le Bouddha est l'assise. Je suis la respiration, je suis l'assise. C'est parce que la respiration a beaucoup de qualités. C'est pour ça que nous savons qu'il y a le Bouddha. La posture d'assise est tellement belle, c'est pour ça que nous savons que c'est le Bouddha. En dehors de cette assise et cette respiration, il n'y a pas le Bouddha. Il n'y a pas un Bouddha à l'extérieur. Il n'y a que la respiration, il n'y a que l'assise, il n'y a pas de respireur, il n'y a personne qui s'assoit. Mais il y a la respiration et l'assise. Et la qualité de cette respiration, la qualité de cette assise, montre que c'est le Bouddha ou que ce n'est pas le Bouddha. Il y a aussi la paix, le bonheur. Il y a la paix et le bonheur dans la respiration. Il y a la paix et le bonheur dans l'assise. Alors, à l'intérieur, comme à l'extérieur, il y a des conditions, des dharmas, des formations. Si, tout ça existe. Mais en dehors de ces formations, il n'y a pas de soi. Il n'y a pas de sujet. C'est un peu difficile à comprendre parce que c'est le contraire de ce que nous percevons en général. Parce qu'en général, nous percevons, nous pensons autrement. Il y a deux vérités. Il y a une vérité appelée la vérité relative, la vérité conventionnelle. Et une autre vérité qui est la vérité absolue. Et ce que nous apprenons maintenant, c'est la vérité absolue. Il faut être courageux de relâcher la vérité conventionnelle. Par exemple, nous disons « il pleut ». C'est très marrant. La pluie tombe. C'est marrant de dire « la pluie tombe » parce que si la pluie ne tombe pas, ce n'est pas la pluie. Il n'y a pas une pluie de l'extérieur qui fait tomber, non. Comme le vent souffle. Si le vent ne souffle pas, ce n'est pas le vent. Le vent signifie souffler. En dehors de souffler, il n'y a personne à l'extérieur ou derrière pour souffler. Il faut nous entraîner. Et c'est pareil dans les sciences. Dans les sciences, il y a la vérité relative. Il y a les sciences classiques, symbolisées par Newton, représentées par Newton. Mais quand on entre dans la physique quantique, quand nous entrons dans les sciences de Einstein, alors nous devons être courageux de lâcher prise de la vérité relative. Dans la science classique, chaque objet a une location située dans l'espace et dans le temps. Et quand nous entrons dans les sciences modernes, ce n'est plus comme ça.
sciences quantiques, un objet peut se situer ici et très loin en même temps. C'est très bizarre. C'est pour ça qu'il faut être courageux pour lâcher prise de nos connaissances que nous avons, pour comprendre. Parce que c'est illogique, c'est irraisonnable, c'est inadmissible. Mais il faut croire parce que c'est déjà démontré. La lumière. Un électron, parfois, c'est une particule. Et parfois, c'est comme une onde. Alors, ce n'est pas correct de dire qu'un électron est une particule ou est une onde en même temps. Quand nous parlons de l'inter-être, nous voyons que le Père est différent du Fils. Le Père ne peut qu'être Père. Le Père ne peut pas être Fils. Et comment le Fils peut être Père? C'est la vérité conventionnelle. Le Père est simplement Père et le Fils est simplement Fils. Mais en regardant profondément, avec l'inter-être, nous voyons le Fils dans le Père. Si on enlève le Père ne sera plus là. C'est pour ça, le Fils est aussi le Père. Et le Père est aussi le Fils. Il faut être courageux de lâcher prise des concepts de Père et de Fils pour vraiment voir le Père et le Fils. C'est pour ça. D'après le principe d'identité, le Père ne peut être que Père. Il ne peut pas être Fils. Quand nous disons fleur, cette fleur, qu'est-ce que c'est? La fleur ne peut être que fleur. Elle ne peut pas être autre chose. Mais en réalité, en regardant la fleur, nous ne voyons que les éléments non-fleurs. Nous voyons le soleil, le compost, le jardinier, tout ce qui n'est pas fleur. Et si on enlève tout ça, il n'y a plus la fleur. C'est pour ça que la fleur n'est pas fleur. C'est pour ça, selon le raisonnement, A ne peut être que A. A ne peut pas être B. C'est le raisonnement à la surface. Mais quand nous voyons que la fleur est faite des éléments, de tous les éléments qui ne sont pas fleurs, et c'est pour ça qu'elle est une vraie fleur. Comme dans le sutra du diamant, il est dit que le bodhisattva n'est pas bodhisattva, c'est pour ça qu'il est vraiment un bodhisattva. C'est-à-dire, si nous ne voyons pas les éléments qui font la fleur, nous ne voyons pas encore vraiment la fleur. Nous croyons que la fleur est quelque chose de séparé de tous les autres éléments.
Et cette fleur est une désignation conventionnelle. C'est une désignation conventionnelle. Par exemple, nous disons un mois. Nous sommes d'accord. Nous rassemblons 30 jours pour faire un mois. Alors, le mot « mois » est un mot conventionnel parce que nous sommes d'accord que 30 jours font un mois. Comme une heure, dans une heure, il y a 60 minutes. Nous utilisons l'unité minute et puis une minute contient 60 secondes. Alors une seconde est courte comme ça. Une seconde peut être divisée en 3 ou 5 ou 10 ou 1000 en millisecondes. Mais parce que nous prenons une partie comme ça et puis on met 60 parties comme ça pour faire une minute. Alors tout ça, ce sont des conventions. Par exemple, nous disons ce lundi est un jour de paresse. C'est parce que nous sommes d'accord. Mais le jour lui-même n'est pas un jour de paresse. C'est parce que nous sommes d'accord. Et nous sommes d'accord d'appeler cette fleur comme fleur. Mais peut-être elle n'est pas d'accord. Elle dit non, je ne suis pas fleur, je suis tout le cosmos. Parce que dans le cosmos, il y a tout. Pourquoi vous m'appelez fleur? C'est pour ça que fleur est une désignation conventionnelle. C'est pour ça qu'il y a tous les éléments qui se réunissent pour faire cette fleur. Et cette fleur n'a pas une présence séparée. C'est-à-dire, c'est l'inter-être. Elle ne peut pas être. Elle inter-est. C'est pour ça que ce mot vide signifie l'absence d'existence indépendante. Si ce corps est pareil, si on enlève l'eau, l'air, alors ce corps ne sera plus là. C'est pour ça, le moi, même si le moi du Bouddha est une désignation conventionnelle. C'est pour ça, ici c'est vacuité. Et ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça existe, mais ça n'a pas de noyau, ça n'a pas de soi séparé. La fleur n'a pas d'existence séparée. La fleur peut exister seulement grâce aux éléments qui ne sont pas fleurs. Et c'est pareil pour notre corps. Alors, à l'intérieur comme à l'extérieur, tout est vide, tout est comme ça. Et la personne qui contemple, qui voit cette vacuité, cette personne est vide aussi. Il y a une perception. Il y a une pensée, cette pensée a un sujet, un objet, et ces deux se manifestent en même temps. Par exemple, il y a une feuille de papier.
en la regardant, nous pouvons distinguer deux pages à gauche, à droite, recto verso. Alors le recto peut est-ce que le recto peut exister sans le verso? Le gauche peut exister sans le droit? Peut le gauche exister par lui-même ou bien il dépend du droit pour exister? C'est pourquoi les conditions se rassemblent pour manifester une formation. Et dans cette formation, il n'y a pas de noyau, pas de sujet, pas de propriétaire, pas d'existence séparée. Elle dépend des autres pour exister. Et ce marqueur est pareil. En le tenant, nous voyons le gauche et le droit. Nous croyons que le gauche peut exister par lui-même, sans le droit. Mais dès qu'on enlève le droit, le gauche n'existe plus. Dès qu'il y a le droit, il y a le gauche. Dès qu'il y a le gauche, il y a le droit. Les deux existent en même temps. En général, on dit une fois qu'il y a le Père, il y a le Fils. Ce n'est pas correct. Avant que cette personne soit appelée Père, l'enfant n'était pas là. On ne peut pas l'appeler Père. On peut l'appeler Père seulement quand il a un enfant. Donc, en principe, père et enfant existent en même temps, sont nés en même temps. Nous pouvons l'appeler père seulement quand il y a l'enfant. C'est pour ça que le père et l'enfant sont nés en même temps, comme le gauche et le droit. Ça, c'est la vérité absolue. Et il faut lâcher prise de l'autre pour voir ceci. Et il n'y a rien qui peut exister séparément. Le gauche doit dépendre du droit pour exister et le droit doit dépendre du gauche pour exister. Et c'est ça la vacuité. La vacuité ne signifie pas que ça n'existe pas. Ça signifie simplement qu'il n'y a pas de noyau et d'existence séparés. Et quand nous avons une perception, c'est comme s'il y avait un sujet et un objet. La perception et la perception de quelque chose, il y a le sujet et l'objet. Comme quand nous disons manger. Manger doit manger quelque chose. Il y a toujours l'objet. Par exemple, manger un maïs ou manger une banane. Il faut du maïs et une banane pour manger. Et en mangeant, on imagine le mangeur et puis la nourriture mangée. Deux choses, le sujet et l'objet. Alors, la perception est pareille. Quand il y a une perception,
Dans cette perception se manifeste le sujet et l'objet, le perceveur et le perçu. Comme quand on mange, il y a la nourriture mangée et la personne qui mange. Et ces deux se manifestent en même temps. Il n'y a pas d'objet sans sujet. Il n'y a pas de sujet sans objet. Les deux se manifestent en même temps, comme le gauche et le droit. Ou le recto et le verso, les deux dépendent l'un de l'autre pour exister. Et quand on a une sensation ou une perception, c'est pareil. Dans ça, il y a le sujet et l'objet de la perception qui se manifestent en même temps. Et les deux se terminent en même temps pour laisser la place à d'autres sensations. Il n'y a pas un sujet qui est toujours là et qui cherche l'autre. Les deux choses ne peuvent pas exister séparément. Les deux se manifestent en même temps comme le gauche et le droit, le dessus et le dessous. C'est ce qu'on appelle kaohu, se manifester en même temps, exister en même temps. Alors, ne croyons pas qu'il y a un soi qui cherche un objet. Parce que le sujet et l'objet se manifestent en même temps. En Occident, il y a la phénoménologie. Ils disent très clairement quand on est la conscience, c'est toujours la conscience de quelque chose. Il n'y a pas la conscience séparée. La conscience est toujours la conscience de quelque chose. Comme manger, c'est toujours manger quelque chose. Il n'y a pas manger séparé. Il est impossible d'y avoir le sujet sans objet. Les deux se manifestent en même temps. C'est pour ça qu'il y a une vision profonde appelée la vision profonde de la vacuité dans laquelle il y a le sujet et l'objet qui se manifestent en même temps. Il n'y a pas quelqu'un qui observe la vacuité et puis qui atteint la vacuité, non. Ceci est plus facile, hein? Beaucoup, beaucoup plus facile que la physique quantique. Si vous ne comprenez pas, alors, l'intérieur et l'extérieur sont tous deux complètement vides. Il y a une distinction, une discrimination entre l'intérieur et l'extérieur. À l'intérieur, il y a la terre, l'eau, le feu. Et puis à l'extérieur, il y a aussi la terre, l'eau, l'air. Et le concept de l'intérieur et de l'extérieur est un obstacle. Parce que l'intérieur n'a pas de noyau, ni l'extérieur. L'extérieur n'a pas non plus un noyau. L'intérieur dépend de l'extérieur pour exister et vice-versa. Alors, les sciences de la neurologie
il pose la question, notre conscience est un sujet, est subjectif. Notre conscience est subjective et le monde à l'extérieur est objectif. Donc il y a une discrimination entre une conscience subjective et un monde objectif, et la conscience sort à l'extérieur pour étudier le monde. C'est comme s'il y avait une conscience subjective qui existe indépendamment du monde objectif, qui est une réalité, une différente réalité. Alors ça, c'est une erreur des sciences d'aujourd'hui. Et la physique quantique commence à voir cette erreur. Et dans le bouddhisme, il est très clair que le sujet et l'objet ne peuvent exister séparément. Dès qu'il y a le sujet, il y a l'objet. Dès qu'il y a l'objet, il y a le sujet. C'est pour ça qu'on croit qu'il y a une conscience subjective qui existe indépendamment du monde objectif. C'est l'erreur de base. L'objet et le sujet ne peuvent pas être séparés. Ils se manifestent en même temps, comme le gauche et le droit. Dès qu'il y a le gauche, il y a le droit. Dès qu'il y a le droit, il y a le gauche. Le gauche ne peut pas exister séparément. Alors, la conscience subjective est pareille. Elle ne peut pas exister sans l'objet. Donc, la vérité transcende les concepts subjectifs et objectifs, qui sont les deux choses séparées. Par exemple, nous disons le gauche et le droit sont deux choses différentes. Le gauche ne peut pas être le droit. A ne peut pas être B. On peut dire que B est l'ennemi de A. Comme en France, il y a la droite et la gauche. La gauche voit la droite comme ses ennemis et la droite voit la gauche comme ses ennemis, n'est-ce pas? Mais au fait, les deux dépendent l'un de l'autre pour exister. Sans gauche, il n'y aura pas de droite, et sans droite, il n'y aura pas de gauche. La vérité, c'est ça. La gauche espère que la droite mourra, mais si la droite meurt, il n'y aura plus la gauche. La gauche et la droite dépendent l'un de l'autre, l'une de l'autre pour exister, et elles ne sont pas ennemies. Comme le lotus et la boue, on ne peut pas dire que la boue est l'ennemi du lotus, parce que sans la boue, il n'y aura pas de lotus. C'est pour ça, en regardant le lotus, il faut voir la boue, et en regardant la boue, il faut voir le futur lotus. Et souvent, le gauche se trouve dans le droit, et le droit dans le gauche. Et c'est ça l'inter-être, l'interdépendance. Alors, la conscience subjective, ce qu'on appelle la conscience subjective et ce qu'on appelle le monde objectif, les deux dépendent l'un de l'autre pour exister. Et c'est ce que nous devons maîtriser. La discrimination entre la conscience subjective et le monde objectif comme deux réalités indépendantes, c'est un grand obstacle dans la philosophie et dans les sciences.
si vous n'avez pas compris, ne vous faites pas de soucis. Sûrement, vous comprendrez. Ça entre doucement. Quatrièmement, le soi et l'auteur du soi n'existent pas. Ils ne sont que des créations de notre esprit confus. Le soi et les êtres vivants n'existent pas. Seuls les dharmas, qui sont les conditions interdépendantes, existent. Le concept du soi et l'objet du soi n'existent pas. Le concept du soi vient de notre esprit confus. Le soi et l'être vivant n'existent pas, mais seules les conditions qui se rassemblent existent. C'est-à-dire, l'oignon n'a pas de noyau, mais il a des couches, les cinq agrégats, le corps, les sensations, les perceptions, les formations mentales et la conscience existent. Mais un soi qui crée ça n'existe pas. C'est une ligne difficile à traduire, professeur. Le professeur a traduit comme for the self is not by way of self. Cette traduction n'est pas très précise. Il faut traduire comme ceci. Dans le premier verset, premièrement, il y a un propriétaire le chef. Et quand, chef, c'est chef de quoi? Propriétaire, c'est propriétaire de quoi? Il faut un objet. Par exemple, on dit c'est moi et ceci m'appartient. Par exemple, mon corps, mon esprit, ma maison, mon diplôme, mon compte. Tout ça, ce sont mes propriétés, ce qui m'appartient. Alors, il y a le propriétaire et les propriétés. L'objet du propriétaire. Alors ici, c'est le soi et l'objet du soi. Les objets qui nous font penser au soi. Et puis deuxièmement, il y a le sujet
de l'acteur. Et son objet est l'action. Par exemple, on dit « je danse ». Parce qu'il y a la danse, il y a le danseur. S'il n'y a pas l'action, on n'a pas l'idée du danseur. On ne pense pas au penseur. C'est pour ça. Ici, c'est un soi. Et puis l'objet du soi. L'objet du soi qui mène au soi. Alors la première définition du soi, c'est propriétaire, l'acteur, et puis troisièmement, le receveur. L'acteur est celui qui fait l'action, qui crée le karma, le bon karma ou le mauvais karma. Et puis le receveur est celui qui reçoit l'effet, les résultats de l'action ou du karma. Alors, le soi est défini comme propriétaire. Ce corps est le mien, cet esprit est le mien, ces objets sont les miens. Deuxièmement, l'acteur, celui qui commet des actes avec son corps, ses paroles, ses pensées. Et puis troisièmement, le receveur, celui qui reçoit le fruit du karma. Mais ici, il y a ces propriétés, il y a ces actions, il y a ces résultats du karma, mais il n'y a pas l'acteur, il n'y a pas de propriétaire, il n'y a pas d'acteur, il n'y a pas de receveur. Par exemple, dans notre corps, il n'y a pas de propriétaire. Il y a seulement, il n'y a pas de chef, il y a seulement des cellules qui travaillent ensemble, très scientifiquement, et qui maintiennent la vie. Comme l'ordinateur, qui a tous les éléments, mais il n'y a pas de chef dans l'ordinateur. Et les neurologues ont vu ça aussi. Ils ont dit que dans notre cerveau, il y a plein de neurones. Et il n'y a aucune qui est le chef, qui donne l'ordre. Toutes les neurones se communiquent et envoient des messages merveilleuses, d'une manière merveilleuse, et elles créent des sensations, des émotions, des pensées sans un chef, sans chef. C'est comme un orchestre sans conducteur. Et c'est ça le non-soi. Sans conducteur. Mais il y a un orchestre. Alors, nos cellules, les cellules dans notre corps sont pareilles. Il n'y a aucun président, il n'y a aucune cellule qui est président. Il n'y a pas de soi, il n'y a pas de chef. Il y a la douleur, il y a le sentiment de bonheur, sans avoir besoin de la personne qui subit cette douleur ou qui profite de ce bonheur. Il y a la douleur, il y a le bonheur, il y a une pensée, mais pas de penseur.
il y a une sensation sans la personne qui sent. Il y a une action sans acteur. Alors tout ça, c'est des choses comme graines, qui font conditions. Mais il n'y a pas de soi. C'est-à-dire, il y a toutes ces choses, ces trois choses, sans ces trois choses. Comme quand on dit il pleut, il y a pleu, mais sans il, sans une personne, sans un soi, sans quelqu'un derrière qui souffle le vent. On n'a pas besoin de conducteur, mais il y a quand même un orchestre. Alors, le soir, tout ça qui nous donne l'impression que si ça existe, l'autre doit exister. Non, on n'a pas besoin. Parce que on dit que le gauche fait le droit. Non, il n'a pas besoin de faire le droit. Le droit n'a pas besoin de faire le gauche. Sa présence mène, sa présence signifie la présence de l'autre. La présence du sujet et la présence de l'objet se manifestent en même temps dans une sensation. L'objet et le sujet se manifestent en même temps sans soi qui est chef de cette sensation. Les formations, c'est ce que nous avons appris ce matin. Toutes les formations changent à chaque instant. C'est-à-dire, elles sont présentes en un instant très court, en une milliseconde. Elles sont impermanentes. Comme cette flamme, ce feu. Nous croyons qu'il y a un feu qui dure, mais au fait, il y a des milliers de flammes qui continuent. Par exemple, nous avons un film. Quand nous regardons profondément, nous voyons qu'il y a des images qui se succèdent. Quand on projette un film, on a l'impression qu'il y a une continuité, mais au fait, ce sont des milliers d'images qui se succèdent, des instants très courts. Les formations sont impermanentes. Elles sont présentes seulement en une millième de seconde et puis elles laissent leur place à d'autres formations. Comme le fleuve, quand nous le regardons, nous croyons que c'est le même. Mais au fait, ça change continuellement. C'est pour ça qu'on dit qu'on ne peut pas baigner dans le même fleuve. Deux fois. Non seulement le fleuve change continuellement, mais aussi la personne aussi. Le fleuve change à chaque instant, mais la personne qui se baigne, change continuellement aussi. Il n'y a jamais une même personne qui se baigne deux fois dans le même fleuve. Les formations changent à chaque instant, leur présence n'est pas. Alors ne parlons pas de leur fonction, de leur action. Fonction, ce mot yo, on peut traduire comme fonction ou
activité. La présence des formations est très courte. Alors, elle ne dure même pas. Elle ne peut même pas durer 2 millièmes de seconde. Alors, ne parlons pas de leur fonction. Il faut dire que leur manifestation est leur fonction même. Il faut dire que leur manifestation est la fonction et leur fonction même. C'est extraordinaire. Si les hommes de science peuvent trouver plein de choses extraordinaires dans ces versets. Ils disent que la matière et la force ne sont pas deux choses séparées. La matière et l'énergie et la matière. Et donc leur présence et leur fonction. Par exemple, la pluie, quelle est sa fonction? La pluie est déjà sa fonction. Elle n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Comme l'air est sa fonction. Il n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. C'est pareil pour l'arbre. Sa présence est sa fonction. Et c'est pour ça, dans les sciences quantiques, un électron est déjà sa fonction, la matière est déjà sa fonction, la matière est déjà la force. Est déjà l'acteur. Et si nous parlons de l'acteur, sa présence est déjà sa fonction. Par exemple, la maison n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Elle est maison et elle est aussi sa fonction. Elle a besoin simplement d'être maison et n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Et puis on entre, on sort, on y vit. C'est pareil pour notre grand frère. S'il est vraiment grand frère, il n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Il est présent et ça suffit. Sa présence est déjà sa fonction. Tant qu'il soit vraiment grand frère. Sinon, alors quoi qu'il fasse, il ne peut rien faire. Il n'est pas grand frère. C'est pareil pour grande sœur. Si elle est vraiment grande sœur, elle n'a besoin de rien faire parce que sa présence signifie déjà beaucoup. Et si elle n'est pas grande sœur, quoi qu'elle fasse, elle n'est pas grande sœur. L'air doit être vraiment l'air. L'arbre doit être un vrai arbre pour être vraiment l'arbre. La présence est déjà la fonction. Notre présence est notre action déjà. Et ce n'est pas notre travail qui est notre fonction, non.
ça suffit pour aujourd'hui, n'est-ce pas ?